Qu'est-ce qu'il y a? Vous rouliez à 150, madame. La limite est à 110 à l'heure. Comment? Je faisais du 150? Mais ce n'est pas possible. Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlé au radar. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Le radar, vous dites? Ah, maintenant, je comprends. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde sait qu'on ne peut jamais se fier au radar. Erreur ou non, ça vous coûte 2000 francs avec retrait du permis. Retrait du permis? Mais ce n'est pas possible. J'ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail. Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoqué. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la contravention. Au revoir, madame. Mais c'est inadmissible. Quel imbécile. Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n'est plus libre dans ce pays aujourd'hui. Pardon, madame. Je suis étudiante dans une école de marketing et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps? Oh, une minute ou deux. D'accord. D'abord, quelle est votre profession? Je suis comptable. Vous êtes mariée? Non, célibataire. Vous faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic. Et quelquefois, je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert. Je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin? Oh, en moyenne, une fois par semaine, je pense. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent et du maquillage et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail, donc c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, alors je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô? Magasin Bon Prix, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Martin, s'il vous plaît. Monsieur Jean Martin, notre comptable, ou Monsieur Robert Martin, le directeur du service des achats? Monsieur Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais Monsieur Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider? Son adjointe est là, Mademoiselle Vautin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Monsieur Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Monsieur? Bonjour, je suis Monsieur Edwards. J'ai rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Madame Joubert. Monsieur Edwards? Ah oui, Madame Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Madame Joubert? Monsieur Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir? Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. Monsieur Robillard, je vous présente Monsieur Edwards, des magasins Homewares. Monsieur Edwards, notre directeur, Monsieur Robillard. Bonjour, Monsieur le directeur. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. Monsieur Coupeau, le directeur adjoint. Monsieur Viguier, notre comptable. Madame Gramont, directrice du service des achats. Monsieur Pérec,
directeur des services administratifs, et Monsieur Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. Enchantée. Madame Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous pour mieux faire connaissance. Avec plaisir et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une babysitter. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une babysitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un 3 après-midi par semaine et 2 samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants ? Oui, j'ai fait beaucoup de babysitting dans mon pays, aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient ? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17h ? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse ? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au deuxième étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engström. Je suis suédoise. Très bien. Alors, à mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'un an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travailler comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Mm-hmm. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute ? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo ? Oui, dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand ? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire ? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô ? Cabinet du docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple ? Ah non, madame, je regrette. Monsieur Gauthier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10h. Ça vous convient ? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Darbon, madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame ? Mais oui, monsieur Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin, à 10h. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas, je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine ? Je sais pas, je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un toubib ? Bouf, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment ? Et comment ? Avec les examens dans 10 jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes ? Ben, j'en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin.
T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Madame, ça va? Vous vous êtes fait mal? Oui, mon pied. Oh, j'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé, j'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calmant quelconque. Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments, si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? Ben, 3 mois à peu près. Vous avez un travail très prenant? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant? Oui. On licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié? Séparé. Vous fumez? Oui. Bon, enlevez votre veste, s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Eh bien, monsieur, vous êtes surmené, je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention. Il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants? Si vous voulez, mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport, simplement de la marche à pied par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais du dentifrice. Du Sanodent, s'il vous plaît. Oui, petit modèle ou grand modèle? Un grand. Et puis, je voudrais quelque chose pour soigner un rhume. Un rhume comment? Vous avez mal à la gorge? Vous toussez? Non, j'ai le nez qui coule. Et puis, j'ai un peu mal à la tête et aux yeux. Alors, je vous conseille de l'aspirine, ou peut-être mieux de l'antihistaminique. Vous avez sans doute un peu de sinusite. Je prends de l'antihistaminique, alors. Oui, madame. Mais faites attention, hein, ça a tendance à vous endormir. Et il ne faut surtout pas boire d'alcool avec. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Où tu veux les envoyer, tes cadeaux? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord... C'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors? Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion? C'est combien, par avion? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non, alors. C'est trop cher. Tarif ordinaire, alors? Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame? Ils sont importants, ces cadeaux, n'est-ce pas? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets en recommandé? Comment? Non, non. Alors allez là-bas et remplissez la fiche. Et qu'est-ce qui se passe? Allez, monsieur, vous décidez. Viens, on va remplir la fiche et laisser passer les autres. Enfin, bon, je voudrais 3 aérogrammes, mademoiselle. Oh, je suis désolée, monsieur, j'en ai plus. Mademoiselle? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6 francs 50. Comment? Je n'ai pas compris.
Je dis qu'il faut payer 6 francs 50. Ah bon? Voilà. Merci. Et voilà, 6, 50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien. Vous trouvez? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise? Oui, je suis en vacances. Et vous? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance, alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, j'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études? Je fais du droit. C'est bien? Oh, c'est pas mal. Et vous, vous êtes étudiante? Non, je travaille pour une agence de publicité. Vous aimez le cinéma? Oui, pourquoi? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde. Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide? Bonne idée. Pardon, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Cette chaise, elle est de quelle époque? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà! Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs, dames. Mademoiselle? Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes, 2 adultes et 1 enfant. L'enfant a quel âge? 10 ans, je crois. Alors vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au 4e étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien? 350 francs. Le petit déjeuner est compris? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre alors. C'est à quel nom? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts? J'ai ma carte bleue, ça va? Oui. Donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis Lemaire. Enchanté. Lars Olsen, je vous présente ma femme, Helga, et ma fille, Birgit. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. C'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je cherche la gare routière.
Vous pourriez m'indiquer le chemin? Mais oui, bien sûr. Mais dites donc, vous êtes chargé? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. Deux entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans 10 minutes. Comment? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à 10 heures. Allez, vous ne pourriez pas faire une petite exception? 5 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, c'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne, hein. Salut Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil? Tu es libre pendant le week-end, par exemple? Oui, pas de problème. Quel jour? Samedi après-midi, ça te va? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à 6h. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure? Vers 10h chez toi. Tu veux que je passe te chercher? D'accord, merci, hein. De rien, mais tu me paieras l'apéritif après. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me dire où il faut aller pour voir passer les cyclistes? Ah, ils ne passent pas par ici, monsieur. Mais c'est bien la rue principale, non? Oui, mais justement, ils ne traversent pas la ville à cause des problèmes de circulation. Ils arrivent place Clémenceau et prennent l'avenue Monceau. Tenez, vous descendez cette rue là, et puis vous voyez les feux là-bas. Oui, je les vois. Alors, vous allez prendre la première rue à gauche, et vous allez la suivre jusqu'au bout. Là, vous tournerez encore à gauche, et la place Clémenceau, vous tombez dessus. Merci. C'est loin? Ça doit faire une bonne dizaine de minutes à pied, hein. Dépêchez-vous, les cyclistes peuvent arriver de l'instant à l'autre. Pas de problème, j'ai mon vélo. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je joue pour moi. Tu veux me jouer un petit morceau? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y. Un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo, c'était vraiment formidable. C'était quoi, ça? Oh, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît? Oui. Ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même. Eh oui, ça t'étonne? Oui et non. C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels. Oh, tu es gentille. Non mais franchement, hein, c'est très bien. Vous voulez danser? Non merci. Oh, allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment. Je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre? C'est-à-dire, je suis avec un copain. Il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, j'ai compris. Il y en a marre des filles qui viennent pour rester assises. Pardon, madame, on voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps? Une semaine. D'accord.
Vous n'êtes pas débutant. Non, c'est-à-dire on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures. Ouais. Bien. Les chaussures sont là-bas au fond, et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse, je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais, hein. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Alors, ça t'a plu? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la révolution, c'est tout. Et alors? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Oh, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Oh, tu m'énerves, toi. Tu te décolo et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture? Oui. Mais combien de temps ça va prendre? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico. Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que 3 vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou Transatlantique? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio, et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long. Effectivement, c'est plus long, mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Ah non, 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 je vais pas passer mon week-end dans un avion, quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure? À 11h, monsieur. Arrivé 17h, heure locale. Ça fait 9h de vol. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. Deuxième classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train? Il doit y en avoir toutes les heures, à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service restaurant? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir, monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Oh, quelle jolie robe! Vous trouvez? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous offre? Whisky, martini, jus de fruits? Voulez-vous passer à table? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là? Et Monsieur Lanchon, ici. Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit.
Encore un peu de gâteau, madame? Merci. Vous êtes sûre? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors, un café, peut-être? Oui, volontiers. Vous êtes combien? On est trois. Il y a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre. Dis donc, il y a du monde. Mais je te l'avais dit, on mange vachement bien ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? De la choucroute? Ah non, j'ai horreur de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet Vasquez, il est extra. Et toi Yannick, qu'est-ce que tu prends? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi? Mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet Vasquez. Et comme boisson? Du vin rouge, ça vous va? Ah non, pas avec la choucroute, je vais prendre un demi. Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Pas grand-chose. Pourquoi? Ça te dirait d'aller voir un film? Il y a ce nouveau film polonais, tu sais? Il passe en VO, Rex. Pareil que c'est vachement bien. Bof, ça me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors, il y a Tauber qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse. Ça s'appelle La Fête, je crois. Ah, ça oui. Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu pourrais pas me passer 50 balles? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute, ça va? Bien sûr. Alors, on y va? Allons-y. Deux chemises, deux paires de chaussettes, un pull. Ça fait 920 francs, monsieur. Vous payez comment? Par carte bleue. Oh non, excusez-moi, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux payer par chèque? Mais oui, monsieur. Ne le remplissez pas, c'est la machine qui le fait. Vous avez une pièce d'identité? Bien sûr. Voilà mon permis de conduire. C'est parfait. Vous signez le chèque, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous me prêtez un stylo? Voilà, monsieur. Bonjour madame, votre voisine madame Bloch m'a dit que vous aviez une pièce à repeindre. Ah oui, elle m'a dit beaucoup de bien de vous monsieur. C'est gentil de sa part. Entrez monsieur, voilà la pièce. Vous avez choisi la couleur? Les murs en beige et le plafond en blanc naturellement. En mat ou en brillant? En mat bien sûr, quelle horreur la peinture brillante. Bon, je n'ai rien dit, enfin moi j'aime bien. Alors, vous me faites un devis? Peinture comprise? Mais bien entendu, je ne vais quand même pas acheter la peinture moi-même. D'accord. Alors, pour le travail, disons, 2-3 jours, ça vous fera entre 1500 et 2000 francs. Pour la peinture, il faut que je vérifie au magasin. Je vous téléphone ce soir? Oui, normalement je suis là. Alors, je vous donnerai un devis précis à ce moment-là. Entendu. Merci, monsieur. Oui. Bonjour, on vient livrer les meubles que vous avez commandés. Ah, très bien. Où est-ce que vous voulez les mettre? Alors, le divan ici, au milieu, la petite table devant et les deux fauteuils de l'autre côté. Mais il n'y a qu'un fauteuil. Ce n'est pas possible. J'ai commandé deux fauteuils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez le bon de commande? Mais oui. Regardez. Ah ben moi, je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion. Qu'est-ce qui est marqué sur votre bon de livraison? Un canapé-lit, une table et deux fauteuils. Ah oui, vous avez raison. Il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt. Je peux téléphoner? Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fauteuil est au magasin. On vous l'apporte demain. Vers quelle heure est-ce que vous viendrez? Ben, je n'en sais rien, madame. Ça dépend des livraisons. Mais je ne vais pas attendre toute la journée. Dites-moi au moins si vous venez le matin ou l'après-midi. Bon, on arrivera certainement dans l'après-midi. Mais ça dépend de la circulation, hein. Bon, d'accord. Puisque je n'ai pas le choix. Non, pas sur le comptoir, c'est trop lourd. Tenez,
Je vous donne un coup de main. On va le mettre sur la table, là, derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On n'entend rien dans le baffle gauche. Ah bon? Vous êtes bien sûr que le problème est dans l'amplificateur et pas dans le haut-parleur? Ah oui, oui, j'en suis sûr. J'ai branché le baffle sur un autre appareil, il marche bien. Ça doit être l'amplificateur. Et je tiens à vous dire que je ne suis pas très content. Il est presque neuf, vous savez. Vous avez la garantie? Oui, la voilà. Je regrette, monsieur, mais cette garantie n'est pas valable en France. Mais comment ça? Elle est valable seulement dans le pays où vous avez acheté l'appareil. Mais c'est pas croyable! Je ne vais pas retourner à Hong Kong pour faire réparer mon amplificateur. Je suis désolé, monsieur, je n'y peux rien. Mais c'est inadmissible! Vous êtes le représentant de Shendol, non? On représente la maison Shendol Europe, mais on ne prend pas de responsabilité pour les produits achetés ailleurs. C'est pas vrai! Bon, ben, faites-le réparer quand même! Puisque je n'ai pas le choix. Bonjour. J'ai laissé un film à développer la semaine dernière. Je crois que ça doit être prêt. Normalement, oui. Mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire. Je vais quand même regarder. C'était à quel nom? Gambert. Barbara. C'était des diapos. Voyons. Ah, voilà. Vous avez de la chance. Elles sont là. Merci. Mais celles-ci sont complètement ratées. Regardez. Ah, ce sont les trois dernières. Vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout. La pellicule a été exposée. Mais non, c'est pas possible. Je fais toujours très attention. Vous savez, ça peut arriver. Et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence. Ah, voilà. C'est sans doute mon petit frère. Il va m'entendre si c'est lui. Il vous faut autre chose? Oui. Je vais prendre deux pellicules, une diapo couleur 100 ASA et une papier noir et blanc 400 ASA. Bonjour, monsieur. Une machine? Deux, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de linge aujourd'hui. Il faut attendre? Non, il y en a de libre. Voilà votre jeton. Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage? Non, merci. J'en ai. Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois. Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard? Elles sont en coton. Il y en a une beige et une noire. Vous êtes marrant, vous. Des chaussettes, j'en ai en pagaille. J'en trouve tous les jours. Cherchez dans le panier, là-bas. Et comment je vais les retrouver dans cette pile? Ah, ça n'est pas mon affaire. Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine... D'accord, d'accord, j'ai compris. La prochaine fois, je vérifierai. Eh bien, tant mieux. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade, et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça? Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin? Elle est partie très tôt.
Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud. Enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi 2 baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusés. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier, mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mémère. Ah bon ? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Allô Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh bonjour. Bien et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle tous ensemble avec les enfants ? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là.
Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Bonjour, Alex. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais « me remarier jamais » avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brolan vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce, mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon, alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brolan ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc, Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai deux places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh, Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc.
Oui. Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose? Un petit café, peut-être? Non, merci. C'est très gentil. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes? Vers 15h, je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi, alors. C'est où, chez vous? Naples, je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes? Oui, pour la corrida. Et vous? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il est 1h moins le quart. Oh là là, je crois qu'il faut aller manger. Sinon, il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous? Ah oui, avec plaisir. Je me présente, Franco Filippo. Pierre Maury, ma fiancée, Madeleine Santini. Enchantée, mademoiselle. Après vous. Tiens, salut Anne, ça va? Ça va, et toi? Bof, on fait aller, quoi. Dis donc, tu connais mon copain Thomas? Non. Alors, Anne, Thomas. Bonjour. On prend un petit café? Ah oui, d'accord. Ah, moi je peux pas, hein, j'ai des choses à faire. Alors salut, un de ces jours peut-être. Au revoir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, on voudrait louer un F2 meublé. Oui, dans quel quartier? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai un 2 pièces meublées, tout confort, dans la rue Saint-Pierre. C'est à 2 minutes de la faculté. Le loyer est de combien? 4 000 francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus 1 mois de caution et 2 mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de 3 ans au minimum. Comment? 4 000 francs? Oh, je regrette, monsieur, mais c'est le prix d'un 2 pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un, et beaucoup moins cher. 3 000 francs par mois. Je vous le montre? On va réfléchir. On reviendra plus tard, peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs, dames. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre? Le matin, oui, mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone? Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir? Oui, mais pas trop d'allées et venues. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10h. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Bonjour, monsieur Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas, parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse? Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame.
Bonjour, Madame Lebec. Il y a du courrier pour moi? Non, rien aujourd'hui. Ah bon? Écoutez, je suis obligé de sortir pour 2 heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés? Je ne la connais pas, votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'antillaise! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non? Pardon, madame. Est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà, madame. Madame, vous désirez? Je voudrais un crottin de chavignol pour faire cuire et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout? Oui, merci. Est-ce que je règle ici? Non, madame, vous réglez tout à la caisse. Madame? Je voudrais 4 filets de cabillaud, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, madame, je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sole. Et avec ceci? Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama. Ce sera tout, madame? Oui, merci. Madame, attention! Ici, c'est la caisse pour moins de 5 articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas. Chez le boucher. Bonjour, madame. Vous désirez? Je voudrais 4 steaks. Qu'est-ce que je vous donne? Filet, faux filet, entrecôte? Faites voir l'entrecôte. Oh non, elle est trop grasse. Donnez-moi 4 tranches de faux filet. Ça va comme ça? Non, c'est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci? Il me faut un bon poulet. Ah, j'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui. Ils font combien? 43 francs le kilo. Alors, donnez-moi un poulet pour 4 personnes. Voilà, madame. Ce sera tout? Oui, merci. Alors, cela vous fera 115 francs. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée, madame. Mademoiselle, je voudrais un jean, s'il vous plaît. Oui. Vous faites quelle taille? Je fais du 38. Bon. J'ai 3 modèles à vous proposer. Celui-ci, style classique. Celui-ci, plus fantaisie, et celui que vous voyez là, dans la vitrine. C'est notre dernier modèle. Je crois que je vais essayer celui-là. Le classique, oui. Et celui de la vitrine. D'accord. Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage... Lequel vous préférez? Je préfère celui-ci, le dernier modèle. Mais il me sert un peu. Je peux essayer la taille au-dessus? Bien sûr. Voyons. Voilà. Ça vous va? Oui, il me plaît beaucoup ce jean. Je le prends. Ça fait combien? 325 francs. Vous prenez la carte bleue? Bien sûr, madame. Très bien. Je vous donne un petit sac? Oui, s'il vous plaît. Monsieur? Je voudrais du papier à lettres, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà. Oh, pardon. C'est du papier avion que je veux. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur. Voilà. Et avec ça? Un bloc-notes, un grand. On n'a que cela, monsieur, de ce format. Ah non. Il m'en faut un plus grand que ça. Je suis désolé, monsieur, nous n'en avons pas. Tant pis. Vous avez des gros feutres? Des lavables? C'est pour écrire sur un tableau blanc.
voilà des marqueurs, monsieur. Regardez, mais je crois qu'ils sont permanents. Vous avez raison. Vous ne savez pas où je pourrais en trouver des lavables. Oh, le seul endroit où vous êtes sûr d'en trouver, c'est chez Delarue. Vous savez, c'est la grande librairie en face de la faculté. Ah oui, je vois. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, oui, je cherche un ordinateur personnel. Mais j'hésite entre ces différents modèles. D'abord, dites-moi, c'est pour quelle utilisation ? Principalement du traitement de texte. Peut-être aussi quelques jeux. Un ami m'a conseillé le ZB2. Qu'en pensez-vous ? Oui, il est bien, mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire. Je vous conseillerais plutôt le CM, qui est à la fois plus simple et plus performant. Plus performant ? À quel niveau ? D'abord, il contient un disque dur. D'autre part, il est équipé d'un écran couleur à haute définition. Et ça, c'est la souris ? Ah oui. Et voici le petit tapis qui va avec. Vous voyez, pour ouvrir un document, vous sélectionnez avec la souris et vous cliquez dessus. C'est très simple. Quant au clavier, il est standard avec 10 touches fonction. Vous pouvez me donner les prix ? Alors, l'ensemble ordinateur avec écran, souris, clavier et logiciel de traitement de texte fait 13 000 francs. Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix ? Ah non, l'imprimante fait 3 000 francs et l'imprimante laser 15 000 francs. Très bien, écoutez, je vais réfléchir. Et je reviendrai quand je me serai décidé. À votre service, monsieur. Bonjour, monsieur. Une machine ? Deux, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de linge aujourd'hui. Il faut attendre ? Non, il y en a de libre. Voilà votre jeton. Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci, j'en ai. Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois. Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard ? Elles sont en coton. Il y en a une beige et une noire. Vous êtes marrant, vous. Des chaussettes, j'en ai en pagaille. J'en trouve tous les jours. Cherchez dans le panier, là-bas. Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ce n'est pas mon affaire. Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine... D'accord, d'accord, j'ai compris. La prochaine fois, je vérifierai. Eh bien, tant mieux. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais. Mais je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger. Il me faut votre passeport et un justificatif de domicile. Je sais. Voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer. Merci. Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Oh non. Il faut attendre 10 jours à peu près. Ça m'ennuie un peu. Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité. En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger. Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des traveler chèques en devises étrangères. Mais je vais perdre au change. Ah non, je préfère le mettre sous mon matelas. Oh, ça, je ne vous le conseille pas.